Bonjour, bonjour. Paris Aquatique, club de natation, natation synchronisée, plongeon, qui existe depuis 1991. On a commencé avec quelques adhérents et petit à petit, le nombre d'adhérents a augmenté. On était à peu plus de 200 il y a une dizaine d'années et maintenant nous sommes presque, un peu plus de 300 adhérents cette année. Paris 2018, c'est un formidable projet qui correspond totalement à Paris Aquatique. À la fois la défense des droits LGBT et l'intégration du monde gay, lesbien, bi, trans avec le monde hétéro. Paris Aquatique organise depuis sa création des événements comme le tournoi international de Paris, la partie natation, natation synchronisée et plongeon de ce tournoi. En fait, on a rejoint le tournoi en 2004 quand il a sa création, mais les années précédentes, nous organisions déjà notre propre compétition. Et dernièrement, nous sommes portés volontaires pour organiser les championnats de France maîtres de la FNFL, la fédération dont nous sommes partie, la fédération française de natation dont nous faisons partie. Et donc, l'année prochaine, en mars 2014, nous organiserons cette compétition. 2000 nageurs qui viendront de toute la France et qui participeront à cette compétition organisée par Paris Aquatique. Donc on est particulièrement fiers de ça. Formidable. Paris Aquatique a envoyé une très grosse délégation là-bas. On s'est éclaté. On a retrouvé l'état d'esprit de Paris, du club, la convivialité, le sport, l'entente entre les différentes sportifs, le mélange avec plein de nations, l'égalité dans le sport. On s'est rendu compte donc que un des freins pour que les gens puissent participer, c'était le financement. On a donc mis en place un fonds de solidarité qui est alimenté par les adhérents eux-mêmes de Paris Aquatique qui donnent un petit peu plus que leurs adhésions, que le prix de leur adhésion. Ça aide comme ça à financer les gens qui ont un petit peu de difficultés financières. On a aussi une action de communication au niveau des bassins eux-mêmes où les gens passent et motivent les gens pour leur participation. Et en plus de ça, et bien via le site internet, on mobilise également par des actions, lors des soirées. Il y a beaucoup de communication et en général, on est assez nombreux à se déplacer sur les Gay Games. Fier de participer. Tous égaux. Pourquoi pas Paris ? Parce que Paris cumule à la fois le côté patrimoine, le côté culture, le côté sportif et la convivialité.